Fun Radio est en direct de Tomorrowland. Sigala est mon invité sur Fun Radio. Hello, Sigala. Hello. <laughs> Il est en train de terminer de checker son portable, les réseaux sociaux. Comment ça va? How are you? Very good, thanks. Il va très bien, merci. Tomorrowland, qu'est-ce que ça représente pour toi? Can you tell us what Tomorrowland means to you? Um, it means a lot to me. It's, it's probably my favorite festival uh, in the world, and it's such a it's such an honor to play here again for the for the third time. Ça représente vraiment beaucoup pour lui. C'est son festival préféré euh, et c'est la troisième fois qu'il joue à Tomorrowland et en plus cette année sur la main stage pour la première fois. Donc c'est vraiment incroyable. Sigala, c'est un des artistes les plus diffusés cet été sur Fun Radio avec ton morceau, Le Je vais vous donner quelques, quelques chiffres comme ça. Plus de 32 millions de vues du clip en 4 mois sur YouTube, 47 millions de streams dans le monde entier, disque de platine au Royaume-Uni, et donc en playlist sur Fun Radio dès le départ. On a été la première radio à jouer euh, Le Sigala, après Le c'est quoi la suite Les number... <laughs> numbers pour Le Labai sont stream streamwise et tout ça. Qu'est-ce pour So I got distracted by Lost Frequencies oui. mooning me. Exactly. He distracted because Lost Frequencies <laughs> his uh, the of the studio. Yeah, Lullaby. Uh, it's, it's, been, uh, it's been, amazing. Like it's done so well, and and it gets such a great crowd response. Uh, especially, especially today, it's it's really amazing to travel the world and and play a song that was made in England and and see people know the words and you know they know the song. and It's, it's such a cool reaction. And so, what's next? What's next? My album is next. Yeah. Uh, that's coming out September the 21st. So I'm going to be releasing songs uh, over the summer, and then yeah, dropping the album 21st. So I'm really excited. Et alors évidemment, sur le bail il a été hyper touché par ce qui s'est passé. C'est incroyable de voir un titre qui naît au Royaume-Uni et qui voyage comme ça partout dans le monde. Partout où il va, il voit les gens qui reprennent les paroles, donc ça le touche beaucoup. Et la suite pour lui, c'est son album qui sort donc le 21 septembre. Il va lâcher des titres au fur et à mesure pendant tout l'été jusqu'à la sortie de l'album. L'album s'appellera Brighter, Brighter Days, avec dessus apparemment Sean Paul, Kylie Minogue, Rick David. Est-ce qu'il peut nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce qu'on pourra retrouver sur cet album Uh, like Craig David yeah. and stuff. Yeah, I mean it's it's got like a lot of the songs that I've done previously, and then like there's probably about eight, or nine, ten new songs with features from all over the world. Can you have names? Um Yeah, I have got uh one with uh, Kylie Minogue, uh, Flo Rida, uh, Sean Frank, um, the Vamps track, which I released yesterday. Uh, the Vamps. The Vamps, yeah. Kylie Minogue, um, Florida, Sean Frank. Who else? There's so many, I forget. There's a great feature on it. Yeah. Sean <laughs> Him. <laughs> voilà, il, a, il a plein plein de feats qui se seront sur son album. Euh, il, a re, il y aura 8 ou 9 morceaux qu'on n'a jamais entendus. Donc avec tous les featuring qui viennent de nous citer. Ce sera le 21 septembre. Brighter Days. Euh, tu sais en France on est un petit peu chauvin aussi. Euh, quel est ton rapport avec les talents électro français comme euh, David Guetta, Kungs, DJ Snake, Martin Solveig? Because in France we are very proud of our country. Um, we want to know what you think about the, our French DJs like Martin Solveig and DJ Snake and stuff. Are you friends with them? Do you like their work? All that? I love The French DJs, Lost Frequencies is is French It's too, them. right? Oh, okay. Um, yeah, like they're sont amazing. DJ Snake is is amazing. I've seen him perform a few times. Really cool. You guys are smashing it. Il adore <laughs> les DJ français. Il a vu DJ Snake jouer plusieurs fois. Il nous demandait si Lost Frequencies était français mais donc il est belge et on on salue les amis belges. Mais il adore vraiment le travail de nos de nos DJ français. La suite de ton été pour toi, Sigala, uh, c'est quoi? Tu well, où la prochaine. What are you going to do next week and what is your summer going to look like? Next week, uh, I have a few like two days off next week. Um, I've literally just finished my album. I have to send off the last song tomorrow. So I'm getting the train straight back. Uh, and I have so many festivals, so many shows over the summer. i uh, going to be doing my own tour as well. So yeah, I'm really excited. Bon, il vient juste, juste de finir son album. Il lui reste une chanson à envoyer. La semaine prochaine, il a deux jours off. Il va en profiter. Et après, il a des tournées et des concerts. Le temps pendant tout l'été. Sigala, merci beaucoup. Et petit secret sur Sigala, vous ne le voyez pas parce que c'est de la radio, mais il est dans le thème de Tomorrowland, puisqu'il a un collier avec un hippocampe. Et l'hippocampe, on peut le retrouver sur la main stage de Tomorrowland en géant. You are in the Tomorrowland <laughs> c'est vrai que c'est incroyable. <laughs> Il va le garder pour toujours. Sigala, thank you. Thank you. Thank guys. you very much thank for coming. Sigala en interview sur Phone Radio Rendez-vous le 21 septembre pour la sortie de son album Brighter Days avec notamment Kylie Minogue, Sean Paul ou encore Florida.